Be proud of you. Oh, je suis une star de maladie affectueuse. Conquiert la bravitude. Oh, quel hasard. La République, c'est moi. Quelle indignité. J'ai dit chez un de vos confrères, c'était la fin du mois d'août, je ne partage rien des idées et, entre guillemets, des valeurs que Éric Zemmour propose pour vis-à-vis des femmes. En l'écoutant parfois sur le positionnement des femmes en politique, j'ai l'impression d'entendre Radio Kaboul d'aujourd'hui. Sérieusement, que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet. Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. Par des institutions qui dépassaient le simple hexagone et par une langue qu'elle a toujours fait voyager et dont l'épicentre aujourd'hui n'est plus sur ses rives de Seine, mais sans doute bien davantage vers le bassin du fleuve Congo. Mais vous fumez, monsieur ?